Ma princesse, ne fais pas cette tête. Ton père peut toujours changer d'avis. Très bien. C'est rien que quand le chief Ako viendra me prendre pour sa maison. C'est là que vous saurez. Mais comment est-ce que je peux accepter de me marier à un homme que je n'aime pas? Comment pourrais-je me marier à un homme qui n'a pas conquis mon cœur? Je ne peux me marier qu'à un homme que j'aime. Tu dois essayer de comprendre. J'aimerais me marier que pour l'amour. Ma chère, ma princesse, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, sinon je vais pleurer. Ma princesse, arrête de pleurer. Cesse de pleurer, essuie tes larmes. Pour l'amour. Ma chérie, tout finira par s'arranger. Calme-toi, s'il te plaît, arrête de pleurer, je t'en prie. Ma princesse. L'as-tu entendu? Oui, j'ai entendu. Qui est cette personne qui joue cette si belle musique envoûtante aux alentours du palais? Ah. Je dois voir cette personne. Non, oh, non, non, attends, ma princesse. Je dois voir de qui il s'agit. Attends, attends un peu. Non, ma princesse, attends, attends. Ma princesse, doucement, ma princesse. Toi aussi. Ma princesse, s'il te plaît, parle comme un ange. Tu sais que tu es sacrée. Tu sais qu'aucun homme ne peut te parler et te voir comme ça. Sinon, il va mourir. Je le sais bien. Je veux juste voir le visage de cet homme qui joue cette si belle musique. Laisse-moi voir qui c'est et je te fais signe. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Un jeune garçon, très très beau. Il joue comme s'il voulait faire tourner le monde à sa façon. Je veux le voir, descends. Non, ma princesse. Allez, toi aussi, fais déjà du ce que j'ai vu. Doucement, ma princesse. Mais c'est quoi ton problème? Fais attention de ne pas tomber, doucement. Je m'appelle Ike Mifuna. Ta musique est vraiment géniale. Je l'apprécie. Je suis content que vous ayez apprécié ma musique. Mais qui êtes-vous? Je suis la princesse Goma, la fille du roi Eboubédiké. Oh! Votre père est un roi? Puis-je jouer encore de la musique pour vous? Oh oui, je serais ravie, sauf que pas ici. Parce que ça ira mal pour toi si jamais quelqu'un nous apercevait. Viens avec moi. Que je vienne avec vous? Oui, s'il te plaît. Voulez-vous vraiment que je vienne avec vous? Oui. Ok, je vais venir avec vous. Partez, je vous suis.
pressentiment que quelque chose ne va pas dans ce palais. Je peux le sentir. Je peux le sentir. Je ne pense pas qu'il puisse avoir quelque chose d'anormal. Vous venez à peine d'arriver et vous dites « Ah non, mon roi, il n'y a rien. Allons à l'intérieur. » Tais-toi. Je ne t'ai rien demandé. Garde. Votre Majesté. Entrez dans le palais. Fouillez dans toutes les pièces. Même dans les chambres. Si vous trouvez quelque chose d'anormal, faites-moi signe rapidement. Dépêchez-vous. Votre Majesté, oui. On n'a rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé. Alors, retournez à vos postes. Restez éveillés, ok? Votre Majesté. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les instructions? Tais-toi, ferme ta bouche. Et si je t'entends parler encore, je vais te couper cette langue et te nourrir avec maintenant même. Kinda, abracadabra, opike, amike. Okwa mwa imwa mwa sude, na okwa yu mwa bogo ujo. Agwa nti manti anu, eberi isi nti esuya. Femme, arrête-toi là. Qui a-t-il? Naïn, c'est mon fils. Oh. Il est sorti depuis le matin. Et jusque-là, je ne le vois pas. J'ai peur qu'il soit attaqué. Oh. Lui avais-tu donné l'herbe? Oui, Naïn, tu lui avais donné l'herbe. Parce qu'il... Laissez-moi. Laissez-moi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Je vous en prie. Relâchez-le, il n'a rien fait, relâchez-le. S'il vous plaît, pitié, non. Toi, tu as le courage de venir dans mon palais. Et tu as aussi couché avec ma fille la nuit dernière. Je peux vous expliquer. Garde. Votre Majesté. Allez-y le pendre. Non. Emmenez-le immédiatement. Non. Ougoma. Non, pas ça. Relâchez-le. Non. Relâchez-le. C'est trop tard. L'arbre vient d'être coupé. Ton fils est mort. Hey, tu es mort. Seigneur, c'est pas vrai. Calme-toi. Mon fils. Mon fils. Ton fils ne restera pas mort si tu fais exactement ce que je vais te dire. Arrête de pleurer, femme. Prends ceci. Prends. Tu as un travail à faire. Va vers l'arbre secret. Là-bas, tu trouveras le corps de ton fils. Applique ça sur son corps à 3 reprises. Ceci doit être fait avant le coucher du soleil. Après cela, il se baignera au ruisseau. Dépêche-toi. D'accord.
Il n'y a pas de temps. Merci, mon Naï. Ochese. Naï. Rappelle-toi. Si tu réussis, ne lui permets pas de toucher cette herbe. Ne le fais pas. Jamais. Plus jamais. Jamais. En grand jamais, mon Naï. Jamais. Jamais. Enemeti. Enemeti. S'il te plaît, calme-toi. Non. Arrête de faire ça, ça fait mal au cœur. Calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Pleurer ne sert à rien. Arrête de pleurer, je t'en supplie, arrête. Non. Enemeti. Arrête, tu me fais mal, arrête de pleurer. Ça ne sert à rien, tout ça. Enemeti. Lève-toi, arrête. Lève-toi, s'il te plaît, ne fais pas ça, arrête. Et donc c'est vrai. Comment? Ah, Enemeti. Enemeti. Pourquoi nous as-tu quitté de la sorte? Ah, Enemeti. Oh Seigneur. Calme-toi, je n'arrive pas à croire mes yeux. Calme-toi, même si tu pleures, ne va pas revenir légèrement. Calme-toi. Ça suffit. Je te prie, c'est pas comme ça. Ne fais pas de mal. Calme-toi. Chérie, calme-toi. Hey. Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme ça. Calme-toi. Apaise-toi, apaise-toi. Apaise-toi, s'il te plaît. Tu vois, la situation est que... Arrête de pleurer, je t'en supplie. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Arrête de pleurer.
Hey, tu me fais mal, arrête de pleurer. Ça ne sert à rien tout ça, je t'en prie ma chérie, lève-toi, arrête. Lève-toi, s'il te plaît, ne te fais pas ça. Apaise-toi, s'il te plaît, apaise-toi. Juste apaise-toi. Arrête de pleurer, calme-toi. Calme-toi et tout ira bien. Calme-toi. Non, mon Dieu, c'est pas possible. Hi! Uchenze! How? Uchenze! Etez apaisement! Uchenze, je t'en prie! Apaise-toi! Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je dis calme-toi! Je suis fini, ça! Calme-toi, je t'en prie! Uchenze! Reviens-toi, mène-toi! Retiens-toi, s'il te plaît! Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Non, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Ressaisis-toi, s'il te plaît. C'est pas comme ça. S'il te plaît, calme-toi. Arrête de faire ça. Arrête de pleurer, je t'en supplie, arrête de faire ça, s'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête, tu me fais mal, arrête de pleurer. Ça ne sert à rien tout ça, je t'en prie, ma chérie, lève-toi, arrête. Lève-toi, s'il te plaît, ne fais pas ça, Je vous supplie, apaisez-vous. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour lui. Kim, qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté. Oui. Chief Akum a apporté ceci. Et il a dit que je dois vous les donner. Il a dit que c'est sa façon de vous remercier. Pour lui avoir donné votre fille. Et il a dit que c'est aussi une façon pour lui de montrer sa loyauté envers vous pour toujours. Un sac, deux cartons et un autre colis. Et où est-il? Il était pressé. Il vient à peine de partir. Il a dit qu'il partait quelque part. Bien, merci. Sais-tu ce que ça veut dire? Igwe. C'est une corde. Oui, c'est une corde. Ok, garde. Prenez ça. Mbo rien wa yiri di.
Nadia Galiana Mo Antioco Antioco Eno wonye no ti wa ona mo Ebe lo mo wa ne me ni mo Ebe lo mo wa ne me ni mo Eno wonye no ti wa ona mo De la kwa de la kwa de la kwe bezi na di ko wane Puis-je te demander une chose? Austin. Maman, tu sais que j'aime beaucoup chanter. Oui. Et tout chanteur aime utiliser un instrument. Mais mon cas est tellement différent. À chaque fois que je te demande l'instrument qui va avec ma voix, tu refuses. Maman, pourquoi ne dois-je pas utiliser l'herbe? Dis-moi mon fils, pourquoi ça te dérange autant? Pourquoi tu continues toujours à insister? Il y a quoi de spécial dans ces arbres, hein? Non! Tu ne peux pas en prendre! Mais maman, c'est une chose que j'aime beaucoup. Non! Tu ne peux pas! Non, non, non! Seigneur, regarde-moi cet enfant. Ton père est mort. Pourquoi tu me déranges, non? Hein? Pourquoi? Seigneur, aie pitié de moi. Mon seul et unique fils. Seigneur, aie pitié. Regarde cet enfant que tu m'as donné. Mon mari vient de mourir. Ton père est mort. J'ai dit non. Pas question. Non! Mon fils, oh. Nous sommes de retour. Gay, ok, hop, ok, hey. Hop, ok. Hey, Ike, map, hop, Ike, map, Ike, 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 map, Ike, hey, Ike, Ike, map, oh, hop, Ike, map, map, Ike, hey, Ike, map. Moi, Iken, ha, Iken, maman, qu'est-ce qui se passe? Iken, Iken, oh mon Dieu. Iken, ma... Vite, non. Vite, 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 va à la maison d'enfant. Le médecin traditionnel, appelle-le. Okay. Dis-moi ce qui lui est arrivé. Naïse, je ne comprends pas du tout. Pendant qu'on partait, mon fils était à l'intérieur en train de chanter.
votre retour. J'ai trouvé mon fils en train de faire des signes bizarres. Alors j'ai demandé qu'on t'appelle. Oh. Et qu'un. Oh. Il ne cesse de dire hap hap. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Naïoufa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Es-tu sûr de ne pas savoir ce que c'est? Ça pourrait avoir rapport avec sa guérison. Femme, la réponse arrive. Le mensonge précède toujours la vérité. Mais sa condition n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. J'ai fait de mon mieux. Sa vie est entre les mains de Dieu. Je reviendrai plus tard. C'est à cause de cet intérêt que vous m'avez donné un enfant dans des conditions pareilles, dans une condition très difficile des serbes. Tu peux me faire quelque chose pour moi? Oh mon Dieu, tu m'as abandonné comme ça. Tu m'as laissé comme ça que je m'occupe de tout moi-même. Mon mari est parti m'a laissé avec tout ça. Oh mon Dieu, il fallait que tu sois là, que tu sois là. Et doucement mon enfant. Fais doucement. Sois tranquille mon fils. Couche-toi. Ma princesse, très bientôt, tu seras mariée. Non seulement à ce chef très populaire, mais au plus courageux des guerriers. Ma princesse, Sa Majesté le Roi, a promis de te faire le plus grand mariage sur cette terre. Ma princesse, ça va attirer des milliers de spectateurs du royaume entier. Que je suis excitée pour toi. Ma princesse, tout le monde est content pour toi. Tout le monde est content, sauf moi. Je suis forcée à épouser un homme que je n'aime pas. Je souhaite mourir. Ma princesse, ne dis plus jamais ça. Que personne ici ne t'entende. Si le roi t'entend, il sera vraiment furieux contre toi. Je sais que tu penses toujours à lui. Oui. Ma princesse, il est déjà mort. Il a été pendu. Tu devrais essayer de l'oublier. Non, pas ça. Arrête, s'il te plaît. J'ai pas envie de me rappeler de ça. Je l'avais vu dans mon rêve. J'avais rêvé de lui. J'avais vu son beau visage. Et j'avais entendu sa belle voix. Il était assis sur un arbre. Et il jouait une très belle musique. Suis-je encore en train de rêver? Non, ma princesse, tu ne dors pas. Tu es belle et bien éveillée. Il me manque vraiment beaucoup. Mais ma chérie, tu peux rien y faire. Maman? Maman, tu dors? Non, je dors pas. Je n'arrive pas à fermer les yeux. Je suis en train de somnoler. Bien. Où est Azuka et Ada? Elles sont allées chercher du bois. Très bien habillées comme ça. Où vas-tu? Je pars voir mes amis.
Quel ami? Hein? Mes amis. Ikem, quand tu étais sorti l'autre fois, tu sais ce qui t'est arrivé. Maman, rien ne m'arrivera. Je vais juste aller voir mes amis. C'est très important que je les voie. Ikem, si tu sors de cette maison, je vais me tuer pour toi. Tu vas te tuer? Mais maman, pourquoi aimerais-tu faire ça juste parce que je pars voir mes amis? Tu m'as écouté. Ikem! Ikem, reviens! Non, tu veux plus m'écouter. C'est ça, non? Hey! Mon Dieu, ça fait ton problème. Je n'ai plus rien à dire. Goma. J'avais vu cet instant dans mon rêve. Je le savais. Je savais que tu n'étais pas un homme ordinaire. Depuis la première fois que j'avais entendu le son de ta musique. À présent, tu me l'as prouvé. Tu es ressuscité. Et tu es revenu vers moi. Oui, je suis revenu vers toi. Mais cette fois-ci, je n'entrerai pas au palais. Cela doit insinuer que tu ne m'aimes plus. Voilà pourquoi tu refuses de courir le risque. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que si j'entrais dans le palais pour la deuxième fois, je serais coupé en morceaux et je serais tué. C'est juste que je ne veux pas mourir, ok? Ok, alors dans ce cas, que devons-nous faire? Je ne sais pas. Je vais te donner un nom. Sourire d'eau. Tu m'as déjà appelé comme ça. Et pourquoi as-tu jugé bon de m'appeler ainsi? Parce que ton sourire est adorable. Ton sourire est merveilleux. Ça me fait penser aux vagues de la rivière. C'est pour ça que je t'appelle Sourire d'eau. Tu es très adorable. Merci. Peux-tu me chanter une chanson? Bien sûr que oui. Une chanson douce. Juste comme toi. Le genre de chansons qui font voyager l'esprit. Avec tout mon cœur, je chanterai pour toi. Mais tu m'excuseras. Je vais chanter dans ma langue maternelle. Pourquoi? Parce que je ne ferai pas mon travail si je ne promets pas la culture de mon peuple. Ok. Laisse-moi penser à une chanson douce. C'est une chanson d'amour. Tu vas aimer. Ok. Love you.
Iye jugu tinyere Onye gewe pulu ya Ugo mamo Akwa mamo Omalita mamo Let's leave Like we are the best We are the best Love more Ihu nanya gine buzi no mukamanya walenu Ihu nanya gina sozi mkamaranu Love more, love more, love more Ivi nene na samo Love more, love more, love more Love more, love more, love more, love more Love more, Ivi nene na samo Love Kisya mwamu neme mnobi polima Onye chuku, onye gana punu moya ugomba Muna gigebi ugomba conformément à notre tradition orale. Iblojo a été découvert par nos grands chasseurs dans la forêt. Il a été dit, après avoir créé la brousse, ils ont eu à découvrir la terre qui était totalement fatale à la vie de famille. Alors ils avaient décidé de s'y prendre. Au moins, c'est ce que mon père m'avait dit, l'un des anciens de ce grand royaume. Et je l'avais cru. Vous savez, un père ne dit pas de mensonges à son fils. Et comme notre tradition le dit, ce que mon père m'a dit, c'est un commandement des dieux. Ce que j'essaie de dire concrètement, c'est que Ibojo fait partie de notre royaume. De ce fait, le roi de Umumba devrait retirer son pouvoir de cette terre, car c'est la nôtre. Nous allons tout faire, à la limite de notre pouvoir, de ramener dans ce royaume tout ce qui nous appartient. On le fera. Voilà pourquoi je responsabilise chacun de vous de retourner à sa propre base, propager la nouvelle que Ibojo fait partie de notre prestigieux royaume. Nous n'allons pas abandonner cette affaire. Cette séance est levée. Merci d'être venu. Igwe. Votre Majesté, j'aimerais vous dire... Tu vois, Chief Aku, tu vois, dans tout ce qui nous concerne, nous allons impliquer nos têtes jusqu'à la fin. Nous allons nous tenir là-dessus. Nous n'allons pas abandonner. C'est notre droit. Nous allons nous défendre avec le dernier souffle de notre vie. Votre Majesté, j'ai toujours été là pour vous. Oui. Et je demeurerai toujours avec vous. Merci. Là, c'est exactement ce que nous devons faire. Votre Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, j'ai une très mauvaise nouvelle. Princesse Ugoma a disparu.
Attendez, quelle princesse? Notre fille a disparu, votre majesté. Qui racontes-tu? Peut-être qu'elle serait quelque part dans ce grand palais? Votre majesté, votre majesté. J'étais avec elle dans la chambre. Nous avons entendu une musique et je voulais savoir qui jouait. Je fus inquiète quand... Entre-temps, je l'ai laissée dans la chambre, mais je ne l'ai plus retrouvée. Elle avait disparu. Je cherchais partout. Garde, votre majesté. Allez-y rapidement chercher ma princesse et ramenez-la ici immédiatement. Vite, cherchez partout dans ce palais. Votre majesté. À vos ordres, roi. Fuyez le villageois. Comment ça? Mais c'est un problème grave. Bon, on ne sait pas encore affirmer cela parce que je ne suis pas totalement sûr. Je ne suis pas vraiment sûr avec ça. Il faut d'abord la chercher. Seulement au moment où nous parlons des choses pertinentes et la fille a disparu. Oh non, 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 c'est pas vrai ça. Mais ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui arrive? Je comprends pas. Attends, dis-moi un peu. C'est depuis quand que tu as constaté qu'elle n'est pas là? Il y a environ une heure. Une heure passée. Votre majesté, on n'a pas su la retrouver. Elle n'est pas dans ce palais. On ne peut pas la retrouver. Oui, votre majesté. Allez fouiller chez les villageois. Partout, cherchez-la. Partout. Cherchez, s'il vous plaît. Cherchez partout. Ils doivent aller la chercher. Allez-y. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Oh non, ce n'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Il faudra qu'on fasse de notre mieux pour la retrouver le plus vite possible. Mais pas possible. Comment elle pourrait aller au-delà du palais? Comment peux-tu l'autoriser? Je t'avais averti, n'est-ce pas? Comment tu peux me dire ça? Mon fils était en train de mourir. Je ne pouvais pas quand même le laisser mourir comme ça. Pourquoi je devais le regarder mourir? Pourquoi? Ton fils a fait quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Mnaï? Je t'en prie, dis-moi. Rien ne lui est encore arrivé. Mais ça ne va pas traîner. Hey. Ton fils a fui avec la fille de Boubédiké. Hey. La princesse Ogoma. Chimo! Chinekemo! Ton fils a quoi? Hey. C'est pas possible. Mon fils a bu vers vous ça. Vous êtes tous foutus. Hey. Fuir avec une princesse et la fille de Boubédiké. Ça, que dois-je c'est faire? Un crime. Je sais. Un crime je terrible. Sais. Et la punition. Que je la punition. Que dois-je vous faire? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Je sais que c'est incroyable. C'est pas du tout facile. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi s'il te plaît. Parle-moi. C'est fini pour moi, oh. C'est fini pour moi. Mon fils m'a tué, oh. Il m'a tué. À chaque fois que je parle de la musique ou d'un instrument à ma maman, du coup, son humeur change, je ne sais pas pourquoi. Je lui demande avec quel instrument pourrais-je bien chanter. Mais à chaque fois que je lui demande, elle change d'humeur. Oh merde, suis-moi!
toi, Mitros. Le garde du palais. C'est moi qu'il cherche. À présent, mon père est au courant que j'ai disparu. Il va me tuer aujourd'hui. Pourquoi ne pas lui dire que tu t'étais perdu? Il sait tout déjà. Ma servante a dû le mettre parfait pour sauver sa peau. Il va nous tuer tous les deux. Je le sais. Mais Ogoma, pourquoi il doit te tuer? Je crois qu'il doit me tuer et t'épargner. Non. Nous devons partir. Nous devons nous en aller très loin, là où il ne pourra pas nous retrouver. Nous devons rester ensemble et être heureux. Ok, je pense qu'on doit, aller chez moi. Okay. Où l'amour est apprécié. Okay. Il ne nous trouvera jamais. Oui. Hein? Comment va papa? Il va bien et j'espère toi aussi. J'espère qu'ils ne sont pas au courant de notre arrivée. Non, ne t'inquiète pas. J'ai ton prix. D'accord. Ne le dis à personne. Ok. Bye. Ok. Prends Bye. Soin de toi. Au fait, ça c'est la maison de ma mère et moi. Je vais dire, c'est ici que j'habite. Je sais que tu es embarrassée parce que tu es habituée à rester au palais. Non, ça ne me dérange pas. Pas du tout. T'es sûre de ce que tu dis? Je suis sûre. Je ne suis pas dérangée. Alors, puis-je t'amener quelque chose à manger? Je ne crois pas avoir besoin de quelque chose. Non, tu dois prendre quelque chose. Non, je vais bien. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ok, puis-je t'apporter de l'eau à boire? Je n'ai pas besoin de l'eau. Ça va? Alors, que puis-je t'offrir? Maman, bienvenue. Je veux causer avec toi, jeune homme. Ugoma, attends-moi dehors, hein? Je te rejoins. Je ne vais pas traîner, d'accord? Que crois-tu en train de faire? Hein? Quoi? Maman, j'étais sur le point de te dire, je me suis trouvé une femme. Non! Non, non, non! Tu t'es trouvé la mort! Tu viens de condamner ta vie à mort, toi-même. D'ailleurs, à tout le monde. Mais maman, je l'aime. Et concernant Ada,
et Azuka. Elles ne représentent rien pour toi. Que fais-tu avec une étrangère? Une princesse, oui. Et alors? Mais maman, c'est la fille que mon cœur a choisie. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est une fille qui a grandi avec beaucoup d'influence, dans des caprices, etc., etc. Hein? C'est le genre de fille qui aime être percée, adorée, louée, tout. C'est le genre de filles qui ont les mains douces. Qui sont même pas prêtes à faire quelque chose. Et concernant Ada et Azuka, leurs ongles sont forts. Elles ont des ongles très forts. Leurs mains et leur cœur marchent ensemble. Elles sont prêtes à... Elles sont prêtes, quelle que soit la situation. Quel que soit le temps ou l'heure. Maman, dans le royaume de mon cœur, il n'y a qu'une seule femme. Princesse Ogoma, la fille de Bobedike du royaume d'Apollo. Elle est l'amour de ma vie. Maman, je l'appelle Sourire d'eau. Je vais défier Ebobedike. Juste pour l'aimer et vivre avec elle pour le reste de ma vie. Maman, je l'ai amenée ici pour toi. Maman, elle va t'aimer comme sa mère. Elle va te respecter. Elle sera la lumière, la seule lumière dans la vie de ton fils bien-aimé. Ne dis pas non. Je l'aime de tout mon cœur, maman. Pardon. Tu sais quoi? Les signes d'un fou se voient dans tes yeux. Un homme sage écoute les paroles de sagesse. C'est ça, être sage. Juste, va à l'intérieur. Emballe toutes nos affaires. Mets le tout ensemble. Afin de nous enfuir de ce danger. Parce que dans peu de temps, il va passer ici avec ses soldats. Oh. Qu'est-ce que tu attends encore? Lève-toi maintenant. Maman, est-ce que je peux... Est-ce que je peux... Je peux seulement... Non! Je peux... Va emballer nos histoires. Qu'elle aille rester avec ses parents. Imaginez-vous. Regardez vraiment ça. Hein. Votre Majesté. Oui, qu'est-ce que c'est? Ces gens ont dit qu'ils ont vu la princesse. Votre Altesse. Oui. Je suis allée au champ ce matin. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu? Je vis la princesse. Elle était accompagnée d'un jeune homme. Il était très beau. Et en le regardant, il avait l'air d'un prince. Ok. Et toi? Votre Majesté, je suis des Dimézé. J'ai vu un chanteur en train de chanter. Il jouait même à la guitare. Avec sa famille, en compagnie d'une très belle fille. Et je pense que la belle fille, c'est votre princesse. Je vois. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi le nom de ce jeune homme qui cherche à jouer sur l'arbre avec le tigre? C'est quoi son nom? Il s'appelle Ikem, fils de Inebinchi, le grand chasseur. Attends une minute. Ikem? N'est-il pas mort? Oh, je vois. Il doit être fou. Ne sait-il pas le parent de cette fille? Qui a déjà résisté devant Mbedike, l'homme qui crée la peur et la panique plus que la tempête, l'eau, le vent? Qui?
Ok, je vois. Certaines bêtes viennent boire de l'eau, d'autres y nagent. Donc voilà le problème. Donc on ne sait plus éviter le problème. Je vous rappelle la parole des dieux, que la crainte des Boubédiké est le commencement de la sagesse. Alors, prenaient-ils quelle direction? Je pense qu'ils allaient vers le royaume de Umumba, votre majesté. Umumba. Ils pensent qu'ils peuvent mieux s'évader en allant vers Umumba. Je sais bien que Igonoa n'acceptera pas de fugitif dans son royaume. Ma propre fille, il va refuser. Car nous sommes en querelle au sujet d'une portion de terre Ibodju et les anciens, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai, mon roi. Ah. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi vous êtes là. Akum. Votre majesté. Vas-y rassembler l'armée des guerriers. Et je vous instruis d'aller au royaume de Umumba. Et ramenez ma fille vivante rapidement. Je vous donne un message. Pour leur igwe, pour cette portion de terre, j'exige sa tête dans un panier. C'est clair? Bien reçu, votre majesté. Ce sera fait. Vous savez tout de même que c'est mon devoir. Je le ferai pour montrer ma loyauté envers ce royaume, mais aussi pour montrer mon amour envers la princesse. Je partirai avec eux, père. Non. Non, mon fils, non, je ne te permets pas d'aller avec eux. J'ai beaucoup à faire avec toi ici. Écoute, ça c'est un jeu des hommes, s'il te plaît. Pardon. Je suis un homme. Et en outre, Ugoma est ma sœur. Personne ne peut kidnapper ma sœur et rester impuni. Moi, je combattrai pour elle. Trop bien, comme tu veux partir avec eux. Chief Aku. Votre majesté. C'est mon fils Ungokwe. Je l'aime beaucoup. Qu'aucun mal ne lui arrive. C'est clair? Oui, c'est clair. Trop bien, il partira avec vous. Laissez-moi me reposer. Merci, votre majesté. Soyez prudent. Mon prince. Ugoma, tout ce que je sais de te dire est que c'est ton père.
Ça, c'est une bonne raison pour qu'il ne te fasse pas du mal. Oh, s'il te plaît. Je suis très fatiguée. J'en peux plus. Marchez vite, non? Vous marchez doucement. Laisse-les tranquilles, laisse-les tranquilles. Elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées? Oui, elles sont fatiguées. Mais vous deux là, pourquoi vous me regardez comme ça? Maman m'avait dit que vous êtes forte. Mais si je vois le contraire... Laisse-les tranquilles. Une petite marche comme ça, vous êtes fatiguée. Ne lui faites pas attention. N'avez-vous pas honte de vous-même? Mais maman, tu avais dit qu'elles ont des mains fortes et des pieds forts. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. N'avez-vous pas honte de vous-même? Des grandes filles comme vous, fatiguées. C'est maman, bon. T'es aussi fatiguée? Bien, vous pouvez vous reposer. Moi et Ugoma irons chercher de l'eau. Allons-y. Oui, ok. Mes enfants, mettez-vous. Non, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas vous asseoir? Vous me cachez quelque chose? Vous voulez pas vous asseoir? Non, pourquoi? Maman. On ne peut pas rester ici. Vous êtes contre ça, hein? Oui, maman. On doit vraiment rentrer. Hey, est-ce que j'ai déjà eu enfoncé l'une d'entre vous? Non, maman. Et toi aussi, je t'ai fait du mal. Alors pourquoi vous voulez m'abandonner comme ça? On ne veut pas te laisser comme ça. Mais on ne peut pas abandonner la vie qu'on a connue. Tous ces gens qu'on a connus et qui comptent beaucoup pour nous. Pour aller vivre dans une terre étrangère. Ok, donc vous ne m'aimez pas. Hein? Et concernant Ikem? Maman, Ikem a fait son choix. Il a choisi de vivre avec la princesse. On va rentrer chez notre mère. On ne peut pas vivre de cette façon. La princesse est une très belle femme. Elle aime beaucoup notre frère. Maman, pourquoi es-tu en train d'étouffer cet amour? Ils s'aiment et donne-leur une chance, maman. Je te comprends. Mais entre nous soit dit, ne vois-tu pas qu'ils s'aiment? Vous voulez retourner chez vos mères? C'est bon alors. Abandonnez-moi. Je n'aurai plus de compagnon. Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Que mon Dieu! Que mon Dieu vous protège. Pardon, maman. Que Dieu te garde et te protège. Pour me passer mon fils. Ah, oui. Ah, oui. Sois sage, ma fille. Sois très sage. Que Dieu seul vous protège. Je vais commencer par où? Je ne sais même pas par où commencer. Mon fils, là où il est passé, je ne sais même pas. Je vais passer où? Seigneur, aide-moi. Où est-ce que je vais passer? Seigneur, aide-moi. Hey, mon Dieu. Hey. Oh, yeah. Hey. Oh. Maman, tu pleures. Maman, pourquoi pleures-tu? Où est Ada et Azuka? Oh, elles ont préféré retourner. N'est-ce pas à cause de vous? Vous les avez chassées indirectement. Je les ai chassées comment?
C'est vous deux qui avez comploté. Maintenant, vous me demandez. Mais, maman, tu leur as dit quelque chose? Comment? Comment pourrais-je faire un truc pareil? Je ne sais pas. Elles sont parties. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Il n'y a personne, il n'y a personne. Tu m'as abandonné. Elle m'a abandonné. Maman, je serai ta compagne. Je ferai tout ce que tu voudras. Qui va m'aider? Oh, qui va m'aider? Maman, allons-y. Je vais les porter moi-même. Je ferai de mon mieux. Ne fais pas de ton mieux. Laisse-la porter ça. Et moi, je vais porter l'autre. Est-ce que je refuse? T'as dit, tu feras de ton mieux. Je vais les porter. Tu veux dire quoi par faire de ton mieux? Portez le tout. Maman, on part comme ça. Où vas-tu? Maman, c'est toi qui avais dit qu'elles ont des mains fortes et des pieds forts. Tu as vu comment elles t'ont abandonné? Un peu d'effort. Allez, on va arriver. Aussi. Arrête ça, s'il te plaît. Tu veux te reposer? Ah, maman? Mm-hmm. Regarde cette vieille femme. Laisse-moi les porter. Laisse. Tu ne devrais pas porter une telle charge. Hein? Ah, mon fils, je n'ai pas de choix. Ah, je vis toute seule. Ah, et il n'y a personne pour m'aider. Hein? Mais toute seule, tu ne peux pas porter cette charge. Laisse-moi t'aider. Eh mais maman, où habites-tu? Je vis à Onomumba, juste traverser la lumière. Onomumba, c'est là où nous allons aussi. Hey. Hey, mon fils. Oui, maman. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Hey. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Hey. Donc, c'est ici que tu habites. Oui. C'est ma maison. Doucement, fais doucement. Mon fils, dépose ça quelque part, même ici. Vous êtes vraiment gentil. Merci. Merci, mon fils. Vous êtes vraiment gentil. Mais maman, je n'aimerais plus que tu portes une telle charge. Ce n'est pas bien pour toi. Non, mon fils. Je le fais pendant plusieurs années. Et personne ne vient pour m'aider. Mais toi, tu as un cœur doux. Merci, maman. Mais maman, on doit partir maintenant parce qu'on a un très long chemin à parcourir. Non. Non, non. Nous devons partir. Nous avons un très long chemin. Prends les histoires et continuons. Non, vous devez rester et manger quelque chose. Tiens, prends ça, mets ça sur ta tête et partons. Maman, je suis fatiguée. J'aimerais me reposer. Hey, tu es fatiguée. Aide-moi, non? Aide-moi à transporter ça. Maman, elle nous supplie de rester, non? Awanka. Yabak, fais attention, mon cher. Fais attention. Mais toi... Restez ici, pardon, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Restez et dîner avec moi. Pardon, nous avons encore un long trajet à faire. S'il te plaît, laisse-nous partir. Et pourquoi refuser un offre qui vient d'une vieille femme, hein? On ne veut pas te déranger avec nos problèmes. Non. C'est juste pour vous remercier. Mais maman, on a écouté, mais tu dois éviter de porter de telles choses. Ce n'est pas bien pour ta santé. Merci, mon fils. Merci beaucoup. Merci. Allez, laisse-moi aller préparer. Et où allons-nous garder tout ça? Garde-le derrière. Laisse-moi aller chercher la nourriture. Merci. J'arrive. Laisse-moi t'aider. Maman, la vérité est que
Nous sommes en train de fuir la colère de Boubédiké, le roi d'Apollo. Elle, c'est sa fille, princesse Ougoma. Et elle, c'est ma maman. On fuit pour qu'on puisse enfin se marier. Ah, tu as pris la fille de Boubédiké. Et tu penses que tu peux t'en sortir? Hein? Ah. Bah. Et Boubédiké est un homme difficile et orgueilleux. Hmm? Il ne peut pas supporter ce défi. Ah. Il te poursuivra jusqu'au bout de la terre. Ce n'est pas sage de l'offenser. Hein? Hein? Ah. Mais maman, ce qui importe, c'est l'amour. J'aime Ougoma beaucoup, vraiment. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Nekaza. Nekwaza. Hein? Vous pensez que si vous restez ici, vous êtes sauf? Hein? Le Igwe de Umumba et Boubédiké sont des grands ennemis. Hmm? Est-ce que vous connaissez? Hein? Vous connaissez notre loi sur les étrangers? Hein? Le peuple de Mumba ne supporte pas voir les étrangers. Et surtout, si ce sont des hommes. La terre, notre terre, a de très belles femmes. Mais elles sont peu nombreuses. C'est pourquoi tous les étrangers masculins sont maltraités ici. Juste pour décourager des hommes à venir habiter dans ce village. C'est donc ça. Hmm? Hmm. Mais maman, j'ai pas l'intention d'aller chercher une autre femme. J'ai une très belle femme. D'accord, montre-moi alors une fille dans ce village qui est belle comme ma femme. Certes, il n'y en a pas. Ah. Mais cela n'empêche que tu restes loin des hommes de ce village quand tu es ici. Pardon, que devons-nous faire? Restez ici. Restez avec moi. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Hein? Restez ici avec moi. Il n'y a pas de problème. Nous allons rester ici. Tu vois, la façon dont l'arc commande une flèche, c'est pareil avec la femme et l'homme. S'il la tire verticalement, la flèche va obéir. Et même horizontalement, elle va toujours obéir. Ils se comprennent parfaitement l'un et l'autre. Il y a une parfaite entente entre les deux. Veux-tu essayer? Vous voulez me donner en mariage à un chef très réputé de mon village, juste pour garder sa loyauté. Dis donc, on voulait te donner en mariage et t'es venu ici avec moi? C'est parce que je ne l'aime pas.
J'aimerais me marier pour l'amour. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Voilà pourquoi je l'ai suivi. Un musicien qui jouait à la harpe. Il chantait. Il m'a appelé. Et mon cœur l'a suivi. J'ai tout laissé derrière moi pour cet étranger. Ugoma, tu m'aimes vraiment au point de faire tout ceci? Oui. La première fois que je t'avais vu, je t'ai directement tombé amoureux. C'était la première fois que je ressentais une telle chose. Ugoma, tu es comme une fleur. Une très jolie fleur. Et je te promets que je te montrerai l'amour. Crois-moi. Je te crois. Et je sais que ça ne sera pas en vain. On a toujours dit, quand on fait confiance, on finit toujours par le regretter. Mais moi, à mon tour, je dis, fais d'abord confiance. Sinon, ne jamais le faire. Ugoma, Apungenenya. En français, ça veut dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi.
Donc je gagnerai du temps. La princesse Goma, la fille des Boubédiké, a disparu. On l'a vue pour la dernière fois. En compagnie d'un jeune homme appelé Amefuna avec sa mère. C'est donc ça. Et nous avons la confirmation qu'ils vivent quelque part dans ce village. Et Boubédiké ne veut en créer aucune sorte de trouble. Son instruction n'est rien d'autre que de laisser ses guerriers chercher sa fille partout dans le village. De ce fait, il nous demande de parler au nom de la paix. Il veut juste reprendre sa fille, saine et sauve. Avons nous de pareils étrangers dans notre village? Pas du tout, votre majesté. Chifaku, comme tu peux voir, nous n'avons pas cette information sur ces étrangers dans notre royaume. La princesse, je crois l'avoir vue une seule fois, et elle est très belle. Si elle est dans ce royaume, on va la retrouver. Igwe, nous sommes sûrs et certains que ces gens sont dans ce royaume. Veux-tu douter de mon intégrité et ma sincérité? Igwe, les conséquences de garder la fille de Eboubédiké seront importantes. Et notre armée, composée de tous les guerriers, nous attend à côté de la rivière Adjani. Et j'aimerais vous rassurer qu'aussitôt que nous sachions là où on garde la princesse, nous attaquerons votre royaume. Oh, 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 oh. Vous êtes venu en paix, n'est-ce pas ce que tu as dit? Et tu as tes soldats stationnés quelque part en train d'attendre au-delà de la rivière. Nous n'avons pas peur des guerriers de Eboubédiké. Nous avons aussi les grands. Oui, votre majesté. Écoutez, je veux finir ma colère sur vous. Restez assis, je n'ai pas fini. Assis. Je vous donne conseil. Si vous osez entrer dans mon territoire, vous allez le regretter. Allez dire ça à votre Igwe. Allez-y lui dire que nous n'avons pas sa princesse ici. Dehors. Votre Majesté, la manière dont il parle et toutes les réactions qu'il a faites, qui pourrait le savoir? Peut-être que ces gens seraient dans ce village. Arrête! Envoie les gardes dans le village. Et rassurez-vous que toutes les maisons soient fouillées. Si tu retrouves la princesse, ramène-la ici immédiatement. À vos ordres, mon roi. Et Boubédiké, tu oses me défier. Tu sais quoi? J'ai pitié de cet homme. Pourquoi? J'ai pitié de lui parce qu'il n'en sait rien. Je connais Boubédiké. C'est un homme qui, quand il tue quelqu'un, il s'en réjouit et ne se reproche de rien. Je sais que Boubédiké n'épargnera ni cet homme ni sa famille. Je le sais très bien. Chauffeur, démarre la voiture. Allons-nous-en.